qu'ils sont. Mora peut pas me, peut pas m'insulter. Ils sont ce qu'ils sont. Ils ont un tissu cousu de caprices. Ce sont eux qui nous font languir. Ils peuvent nous pousser au fond de l'abîme. Surtout celui-là qui était le plus confident. Méfions-nous des amis. Ils sont ce qu'ils sont. Certains sont des serpents à deux sonnettes, sous l'apparence de la couleur. Salut à tous mes fans. Abonnez-vous à la chaîne Ezabuto TV. Likez, commentez et partagez au maximum. On vous aime. Mingili, merci beaucoup pour le coup de pied. La suite, DJ. Petit. Tu as vu? Tu vois comme un enfant te donne un coup de pied. Tu tombes jusqu'à tu écartes les pieds à l'air comme un bordel. Moi, si c'est moi, je vais finir avec toi. Donc oublie le challenge avec moi, petit. Je vais te tuer. Moi, je ne blague pas. Tu as vu ça? Si tu te donnes ça, tu meurs une fois. Tu dis ça, fuis maintenant. Tu veux pas fuir? Fuis vite. Fio. Imbécile, zozo. Moi, c'est bien là-bas. Mon fils, Flan, oui, pas. J'étais très bien éduqué. J'étais inculqué beaucoup de valeurs. Beaucoup de valeurs. Spirituellement, moralement. Ce qui s'est passé l'autre jour, ce que tu fais ces derniers temps-ci, ce n'est pas digne de mon éducation qui a été donnée. Ce n'est pas digne de l'éducation qui a été donnée, Flan. Les bâtons que tu as portés l'autre jour, ça sortait d'où? Ouais, j'ai fait tout ça à cause de lui. Mais il m'empêche de bien prier. Chaque fois, il fait que me poursuivre. J'ai fait ça à cause de lui. Et en plus, je n'aime pas l'avoir volé les bonbons là. J'ai pris ça que devant lui. Il m'a vu. Donc, il dit que tu as apparu, tu as disparu, tu as pris. Bah, toi, il sait que frère, j'ai mis baba de beaucoup. Tu sais, moi, disparaître. Je connais la carrière. Ha! Mon fils, j'ai honte que frère Jérémy, mon fils que j'ai formé, qui me respecte, de me retirer la nourriture dans la bouche. Et ce qui m'énerve encore sur lui, c'est qu'à l'église, lui discute la nourriture comme un enfant. Il discute. Même les fidèles n'arrivent même pas à manger. Les gens qu'on invite, ils viennent, ils mangent. Ils mangent avec son gros ventre qui est comme le bidon de 10 litres. Là. À cause de ça, tu l'as envoyé à Yaoundé. Tu as bien fait. Bien fait l'envoyer là-bas. Ah bon, hein? Mais père, tu viens où? Frère David est là, il est simple, calme. Moi je me sens bien avec lui. Frère Jacques. Oui. Tu t'entends avec Frère Jacques? Oui. Une bonne nouvelle. Mon fils frère. Donc tu me rassures comme frère Jérémy est parti à Yaoundé. Il a affecté à Yaoundé. Tu seras assidu à l'église, régulier à l'église et tu vas suivre Frère Jacques. Bien sûr. Tu seras constant à l'église. Oui. Ok, ça va. C'est une très bonne nouvelle. J'ai compris. Bon, bon. Hey, frère Jacques. Pasto. Mon fils. Pasto. Ouais, frère Jacques. Sois le bienvenu. Merci, Pasto. Sois béni. Merci, Pasto. Ça va, fils?
Ok. Justement, parler de toi. Oh. Et tu apparais. Non, tu as l'onction. Tu es un homme béni, frère Jacques. Ah. Merci, pasteur. Je ne savais pas que toi et Franck vous entendiez à ce niveau. Ce qui va se passer maintenant, c'est toi qui vas gérer l'église. Tu dois. Tu sais qu'on a dit au revoir tout récemment à frère Jérémy. Voilà. Donc, c'est maintenant toi qui vas gérer tout à l'église. Et ce que je comprends ce matin, il me dit tu es bien avec lui, tu lui produis les conseils, il s'entend mieux avec toi. Oui. N'est-ce pas, Franck? Mm-hmm. Ah, une bonne nouvelle. Pasteur, tu sais, Franck, c'est un bon enfant. C'est un enfant que j'aime bien. Ah bon? Oui. Mmh. Un enfant que j'aime bien. Que de bonnes nouvelles. Amen. Ah. Sinon, frère, quelles sont les nouvelles? Pasteur, il n'y a rien de grave, tout va bien. Ça va. Mon fils, va regarder tes cahiers. Quoi que vous l'avez dit, bientôt on compose. Mon successeur. Que de bonnes choses. À la santé, maman, à la santé. Mon père. À la santé, mon père. Ma chérie Esther. Maman. À la santé, ma chérie. À la santé, mon père. Mon père. Tu es devenu un homme. Esther. Oui, maman. Waouh. Voilà mon neuf. Faut pas le briser. D'accord? D'accord, promis. Maman. Mais, maman. Oui, mon père. Pourquoi chaque fois qu'on arrive, papa n'est jamais là? Tu ignores quoi de ton père? Je dimanche, t'es là. Pourquoi ton père n'est jamais là? Mon père. Maman. Ne ressemble pas seulement à ton père. Maman. J'aime Esther. Tu as compris, maman, non? Maman, toi aussi. Ton bébé n'est pas comme ça, maman. Ok, d'accord. Ouais, mon père. Je t'aime. Maman. Non, mon père. Nous sommes ensemble, mon père. Je veux juste écrire quelques messages. Nous sommes ensemble. Il n'y a pas de problème, mon père. Ok. Bébé. Oui. M'assois là. Et c'est plus confortable. Comme tu veux. Hé, hey, c'est quoi ça? Ah, tu es l'enfant là. Lève-toi. Hey, c'est quoi ça? Je t'aime, mais ça ne te donne pas le droit de briser. Maman quoi? Tu as failli me casser les pieds de mon père. Il y a quoi, maman? Il y a quoi? Hé, hey, mon père. Il n'y a rien sur mes pieds. Il a resté assise sur ça. Maman, non, oui. Je ne fais rien. C'est comment? C'est mon bébé, non? Non, maman. Non, tu vas t'entendre avec moi. Mais ne me... Ça dit, ne fais rien. Je n'ai rien qui va nuire mon bébé. Maman, s'il te plaît. Tu vois son pied? Maman, s'il te plaît. Il y a quoi? Pardon, qu'elle ne te fasse plus du mal. Oui, je ne peux pas supporter qu'on te fasse du mal quand je suis assise. Vivez tranquillement. Ça va, ok. Oui, ça va. Je dois veiller sur l'enfance hier. Ça, c'est ma souffrance. Ta mère. S'il te plaît, je suis désolée. Mon bébé qui est devenu un homme. Ok. Je suis désolée. Mon bébé. Wow. Ça va. Tant que je suis avec toi, ça va. Ah, d'accord. Ok. Je t'aime, mon cœur. Je t'aime aussi. C'est quoi ça? Son cou. C'est comme si c'est mon cœur qu'on a brisé. Aïe, que quoi? Aïe, que quoi? Tu as vu où tes mains étaient? Ici. Certainement, tu voulais appuyer la main gauche là. Non! Tu sais comment j'ai fait pour qu'il parle? Tu sais, voilà mes genoux qui ont noisi pour la prière, pour que mon enfant parle. Voilà tes mains qui vont doucement, doucement sur sa gorge. Mon père, je ne suis pas d'accord. Maman, faisait rien de mauvais. J'oublie. C'est quoi? Vous manifestez quoi? Ngala, moi. C'est obligé que vous vous touchez. C'est obligé. Regarde où tes mains sont en train d'aller. Sur la gorge de mon enfant. Je connais ce que j'ai enduré pour qu'il soit ce qu'il est. Ne t'attaque pas à moi. Je suis une très bonne... Maman nature est une très bonne belle-mère. Mais quand tu t'attaques à son bébé... Maman, s'il te plaît, faisais rien de mauvais. Mon père. Mon père, lève-toi. Ouais, maman. Laisse contrôler mon enfant. Maman, il n'y a rien. Il parle bien. Mais... Ne te fâche pas, mon père. Je suis en train de te protéger.
elle ne peut rien me faire. C'est que ta fille, cette fille a mission. Elle ne peut rien te faire. Elle s'est d'abord assise sur ton pied, dans le but de briser les pieds là. Heureusement, j'ai l'œil, j'ai vu. Comme elle a constaté que j'ai vu, elle change de tactique. Elle veut t'égorger à ma présence. Tu ne peux pas. Hey, je dois veiller sur toi, mon père. Mon père, mon père. Je connais mon enfant. Je maîtrise. Tu es fragile, mon père. Maman, je... c'est mon mari. C'est mon mari. C'est mon âme. Tu viens fort, C'est qui? C'est mon. Rappelle-lui que je suis ta mère. Dis-lui. Dis-le-lui quand j'entends. Maman, essaie. Elle commence à dire c'est mon mari. Je suis qui? Je ne suis pas sa mère. Mon père, je dois te protéger. Tu as compris, non? Maman. Il est bien, tu es sa mère. Oui. Mais je suis sa femme. Actuellement, il vit avec moi. Je suis sa femme. Ma chérie, je vais te rappeler quelque chose. Si tu sors d'ici, tu vas retrouver d'autres hommes. Ça, c'est tandon. Tamou. Tu connais ce que veut dire tamou? Tamou, le seul enfant. Singleton. C'est ce que Dieu m'a donné. Tu es venu finir. C'est de croc. J'en ai tellement entendu. Oui. Baby, moi, je rentre. C'est de croc. Ta mère est insupportable. Oui, j'accepte. Bye bye. Oui. Vous allez vous... Mon père, supporte-moi. Tu as peur de quoi? Je suis là. Ok. Merde. La fille, c'est en mission. Elle est en mission. Elle est venue finir avec mon père. Mon père. Mon père. Maman. Tout va bien, non, mon Maman. Père? Maman. Oui, mon père. Maman. Oui, quoi dit? Je suis déjà grand. Maman. Cette fille, c'est ma fiancée. Elle ne peut rien me faire. Rien du tout. Tu as vu où elle était assise? Mon père. Sur ton pied que tu as marché à peine là. Mon père, après tu as vu. Maman, elle t'a envoyé maman. La main. Oui, mon père, je te comprends. Hey. Maman, attends. Maman, pardon. Ah bon, hein? Ce n'est même pas mon problème là-bas. Je dois te protéger. Petit, je dois te protéger. Envolez-vous-même. Mais je dois veiller sur toi. La fille, c'est en mission. Je ne peux pas accepter que tu me finis l'enfant. Je ne peux pas accepter. Merde. Je suis sa femme. Et moi, je suis qui? Je ne suis pas sa mère. C'est comme ça que ça commence. Je dois veiller sur mon enfant. Je dois veiller sur mon enfant. Qui s'attend à l'enfant si? On va se croiser. Je suis prête. Hé! Hey, quoi? C'est maintenant que... Je dis non. Oui. Même si c'est qui? On va se gérer. Je ne suis pas là pour blaguer. Tout, pas mon enfant. Pas mon bébé. Je dis non. Pas mon bébé. Je suis sa femme. Et puis quoi? Et puis quoi? Je bois seul. Pardonnez-vous tous, c'est l'agent de mon bébé ici. C'est l'agent de mon père. Oui, c'est son agent. Vous partez, je bois tous les côtés. Je bois. Je bois. Je ne peux pas accepter qu'on me menace l'enfant. Puis dit si. Je dis non. Ça, c'est un mauvais esprit. D'abord, elle cherche à briser les pieds de mon enfant. Elle constate que j'ai l'œil. Parce que je ne ferme pas l'œil. Elle s'élève doucement, doucement. Elle veut appuyer le cou. Qui? Moi, nature. Je reste là à côté. Partout où tu vas, Crédit, je suis derrière toi. Le seul endroit où je ne serai pas, je serai, ça ne serait que le lit. Et je serai au seuil de la porte. Je vais veiller sur toi, Crédit. Hey, ce n'est pas maintenant que je vais laisser qu'on te tue. Même quand tu seras au lit avec elle, je serai au seuil de la porte. C'est comme ça. Ou, des fois, elle s'en va. C'est comme ça. Oui. Mes soldats. Oui, la NPQ. Mes soldats. À votre service. Si je vous ai appelé ici, c'est pour savoir ceux qui veulent rentrer et ceux qui veulent rester. Je compte rester. Si je pars, mon père restera à maltraiter ma mère. Marraine, moi, mais je compte rester. J'ai trois femmes. Ils vont les abandonner. Donc, moi, mais je reste. Marraine, j'ai une maman qui m'aime. Ce n'est pas le moment de la quitter. Et en dehors de ça, j'ai une femme que j'aime bien. Même si elle va partir un jour, j'aimerais
m'en aller avec elle. Mais pour l'instant, je suis là. Hé, on se comprend bien. Tu veux mourir et mourir avec elle. Pourquoi? Est-ce que tu l'aimes comme tu dis là? Mais seule, tu la laisses vivre sa vie. Est-ce que je me mêle de ta vie? Non, c'est pas bien. Tu veux mourir, mais seule. Tu es la fille de Dieu tranquille. Non, ce que tu fais n'est pas normal, c'est pas bien. Ton problème, c'est quoi? Tu vois que moi-même, quand je vais partir, là, il va amener mes femmes. Laisse les autres parler. Laisse-les comme c'est mon jour, je n'ai pas seul. Hein? Parlez. Moi, je ne pars pas. Je vais venger ma souris. Ma reine, quant à moi, j'ai des comptes à régler à l'église avec mon père. Donc, c'est pour ça que je dois rester. Moi, je m'en vais, ma reine. Ce monde-ci ne me plaît pas. Mon père marche, il grossit. Ma mère marche, elle grossit. Samba aussi, il marche et il grossit. Mais moi, je maigris. Je préfère m'en aller. C'est comme vous voulez. Quant à moi, je resterai. J'ai encore une mission accomplie. Ma reine, parlant de mission, j'ai une vengeance accomplie. Celui qui m'a humilié pendant 30 ans, j'ai porté des couches. Pendant des années, il est temps de me venger. Oui, il est temps de me venger. Vengeance! 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 Dis-la! Pensif. Non, c'est rien. J'ai juste un peu mal à la tête. Ça va? Oui, ça va. Chérie, s'il te plaît, écoute. Écoute, tu sais que depuis la dernière fois par rapport à maman, je sais que tu es fâchée. Et chérie. C'est parce qu'elle m'a tellement aimé. Tellement aimé que maman devait au danger partout. Mais pas au point de me lier au bas comme si j'étais. Bébé, je ne vais même pas parler de ça. S'il te plaît. S'il te plaît. Mon père! Ça va, comment, mon père? Ça va, ma. Estelle. Bonjour, ma fille. C'est comment? Je suis la maman. Mon père, petit, mon bonheur. Maman, sois la bienvenue. Merci, mon père. Estelle, tu es fâchée contre moi. Ah, maman, j'ai oublié. Il faut vraiment que tu oublies. S'il te plaît. À un niveau, il faut un peu me comprendre. C'est un enfant sur qui je mise beaucoup. Je ne suis pas contre son bonheur. Mais accepte-moi un peu comme ça. Les choses vont aller. D'accord? Donc, excuse-moi pour la dernière fois. Non, maman, je te comprends. Oui, sache seulement qu'il est un enfant un peu délicat et puis tu sauras comment. Vraiment, même s'il faut jouer, il faut savoir comment jouer avec lui. C'est un enfant, je n'ai jamais aimé les jeux brutaux à son égard. Est-ce que tu m'as compris? Maman, je te comprends. Mon père, je suis vraiment très contente pour toi. Que le Seigneur vous bénisse et que je devienne grand-mère. Pas seulement grand-mère, Mani, grand-mère. Tu peux passer dans tout ce quartier. On dit Mani nature, Mani nature, Mani nature. Parce que vous m'avez fait deux beaux enfants. Ou même trois ou quatre, pourquoi pas? Amen, maman.
Ok. Sinon, c'est comment? Ça va, maman? Nous sommes là. Maman, comment va papa? Papa va bien, sauf que... Crédit, ton père là, il est un caméléon, je ne comprends pas. Maman! Donc, il fait comme ça. Donc, il fait comme un serpent, non? Mais il est un serpent venimeux, hein? Maman! Bref, je l'aime comme ça, hein? Je l'aime comme ça. Voilà. C'est mon choix. C'est ce que moi, je voulais entendre. Voilà, je l'aime comme ça. Chérie, tu peux me têter du masse-moi. Attends, avec tes multiples travaux là. Travaux plus que masser mon bébé? Mais il faut masser mon bébé. Non. Lui-même, il va te dire, par jour, je pouvais le masser même 5 fois. Ah, maman, elle est déjà où? Même si elle trouve un petit sable, elle a. Excellent. Pourquoi le sable ne pique pas les pieds de mon bébé? Maman. Tu es mon porte-bonheur. Tu es mon porte-bonheur. Tu fais un bon massage à mon bébé. D'accord. Mon bébé est devenu un homme et mon père. Regarde, sois un peu très prudente. Il ne faut pas trop. Non. Je ne veux pas que tu le brises les os. Maman, ah, maman. Doucement, tu vas. Voilà, doucement, doucement. Excellent. Mon bébé est un homme. Ça, ça ne donne pas. Comment ça? Ça ne donne pas. Voilà. C'est quoi ça? Voilà pourquoi? Descends. Regarde-moi les choses. Jusqu'à ce que tu vois là. Ouais, maman. Elle t'a mis dans la bouteille. Elle t'a mis dans la bouteille. Voilà de quoi. Attends, c'est 9 mois. Eh mon Dieu. Comme deux, jusqu'à 9. Que tu écrases comme ça. C'est 9 mois. Tu connais ma souffrance sur l'enfance. Maman. Attends, c'est mon enfant qui est devenu ton tapis. Tu mets au sol, tu écrases et tu vois là. Que dis? Ça ne va pas me laisser. Je suis en train de perdre l'enfance doucement, doucement. Maman. Maman, quoi? Tu as vu ce qu'elle est en train de faire? Maman. Bédi, bébé, regarde, elle t'écrase comme ça. Elle t'écrase pas comme maman, ça devant moi. S'il te plaît, assieds-toi. Elle n'y a pas de s'il te plaît. Assieds-toi, s'il te plaît. Maman. Tu vas me raconter quoi? Assieds-toi. Maman. Non, ne me touche pas. Même si nous sommes amis n'importe comment, et que tu t'attaques à mon enfant, tu t'es attaqué à moi. Tu as vu la façon que tu l'écrases? Maman, pardon. C'est quoi? Maman, c'est ton pardon. Tapis? Maman, pardon. Tu laves le ndolé? Maman, assieds-toi. Tu laves les habits? Maman. Merde. Maman, hey! Maman, écoute, tu avais ta façon de masser papa. Elle me masse comme ça tout le temps. Si elle voulait me tuer, elle devait me tuer quand tu n'es pas là. Wanda, ce n'est pas quand tu es là qu'elle doit me tuer. Wanda food. Donc tous les jours, elle marche sur toi. Tu connais quand on dit qu'il faut marcher sur un homme, c'est comme ça que ça commence. Maman, c'est moi qui avais réclamé. Ce n'est pas au sens figuré. Hein. Je suis en train de vivre cette scène. Donc, comme elle n'est que fiancée, elle commence à marcher sur toi. Imagine quand tu vas mettre ça. Bédi, il faut que je m'en aille. Je ne veux pas. Non. Maman. Je ne veux pas qu'on te tue à ma présence. Je dis non. Ne m'appelle pas. Tu ne peux pas t'attaquer à mon fils, maman. Et être ami avec moi. Maman de quoi? Mieux que je m'en aille chez moi. Maman, quoi? S'il te plaît. Bédi, réveille-toi. Réveille-toi de ton sommeil. Maman. Cette fille est en train de t'écraser. Maman, s'il te plaît. S'il te plaît de quoi? Tu es dans un maman, cas. Excuse-moi. Tu es dans un maman, cas. Excuse-moi. Excuse-moi. On ne peut pas te tuer à ma présence. What the fuck? Je suis assise là. Même pas un grain de respect. Même pas un petit respect. Laissons même que je sois sa mère. Où est parti le doigt de Ness? Tu marches. Tu marches sur mon fils à ma présence. Quelle humiliation. Maman. Excuse ma vie. Maman. Te prends, te prends, te prends. Autant de degrés. Autant de degrés. Où il va nous mourir? Autant de degrés, te prends. Maman. Allez, stop. Je dis stop. Non, quoi qu'elle reste te tuer, maman. Je viens prendre le cadavre. Maman. Non, non, non. Merde. Bébé, ta mère exagère, je ne supporte plus ça. Oh, calme-toi. Calme-toi, ok? Tout ça va passer. Okay. Dans moi, c'est une femme qui m'a accouché. C'est pas ce pourquoi que ma mère. S'il te plaît, c'est je ne peux plus parler de ça, c'est ça pas va. S'il te plaît, chérie. Chérie, s'il te plaît. Ok? Bébé. Je voudrais, si tu m'aimes réellement, si tu m'aimes vraiment, je voudrais qu'on parte d'ici. On change de ville. J'ai compris. Là, je serais compris. Un peu tranquille. Je voudrais, je ne veux plus voir sa face. S'il te plaît. Je...
qui est là? Montre-toi si tu es un homme. Montre-toi si tu es un homme. Qui est là? Montre-toi si tu es un homme. Tu n'as pas besoin de me prendre par la lâcheté. Renonce-toi. Renonce-toi. Qui est là? J'ai dit prononce-toi. Qui es-tu? Que fais-tu ici? On dirait que tu ne te souviens plus de moi. Il y a de cela 30 ans. Ton maître et toi. Vous avez détourné ma mère. Et vous avez retiré ma gorge. Tu te souviens plus de moi. Vous avez retiré ma gorge. Vous m'avez humilié. Vous m'avez rendu comme un enfant. Durant 30 ans de ma vie, je ne portais que des couches. Alors il est temps de me venger. Il est temps que vous puissiez payer de tous les actes que vous avez commis. Ma mère a souffert. Elle a souffert. Alors cette souffrance, vous allez la sentir. Il est temps de la vengeance. Mais ce n'est pas toi que je cherche. C'est ton patron. Ton maître, parce qu'il va subir ma colère, je reviendrai. Je dis bien, je reviendrai. Et fais-lui part.